Coucou, c'est les successeurs. On se retrouve pour une vidéo, donc ça n'a rien à voir avec Disney, c'est histoire de la chaîne. Donc comme la vidéo que vous avez vue assez récemment sur notre vidéo Utip, mais voilà, on va pas en reparler. Donc on vous avait déjà parlé qu'on avait participé à une web-série qui s'appelle donc Le Conte de Fées. On vous avait dit d'aller voir. Beaucoup d'entre vous ont été voir, ouais. Et ont été des retours. On les a même ont fait rencontrer à l'occasion de certaines conventions. Et du coup, là, on vous en reparle parce qu'on avait tourné dedans. Mais cette fois-ci, un épisode où on a été dedans est enfin sorti. Donc, par contre, en figurant. Voilà, on est en figurant et bon, par contre, cherchez-nous. Dans l'histoire, ça se passe bien sûr. Enfin, la web série a commencé déjà depuis un certain temps, donc si vous n'avez pas encore vu, cherchez pas le dernier épisode. Parce que si vous avez, ça serait dommage parce que vous comprendrez rien. Donc moi, je vous incite à quand même regarder depuis le début parce que c'est tout simplement génial. Déjà, vous loupez quelque chose si vous regardez que le dernier épisode. Donc regardez depuis le début et puis ben, sur le dernier épisode, vous pourrez nous chercher. Voilà. C'est assez sympa. En sachant que le premier épisode, attention, n'est pas du tout représentatif de tout ce qu'ils font, étant donné que le premier épisode a été tourné il y a très longtemps. Et enfin, franchement, voilà, c'est des gens qui sont au taquet dans tout ce qu'ils font, ils pensent à tout, c'est très professionnel. Et ça donne un résultat super, quoi. Donc nous, on est très admiratifs de leur travail et... Ouais. Et puis ça nous fait bizarre de nous retrouver d'habitude, nous, on prépare tout et tout ça, et là on arrive, on est des acteurs, donc du coup... Mais c'est ça, voilà, on sait pas trop, qu'est-ce qu'on fait, où on se place. Et puis ce qui est impressionnant, c'est que, on a été témoins lors de notre premier jour de tournage d'ailleurs, que vous pouvez tourner toute une après-midi pour 5 minutes, ouais, 2 minutes. 5 minutes, 2 minutes. De l'épisode, et là tu te dis waouh, c'est énorme quand un truc de patience de dingue pour arriver à finir un épisode, donc c'est... Et donc dans cet épisode là, donc le dernier qui est sorti, on est figurant, donc vous pouvez trouver moi, princesse, mais aussi les sœurs Wifi pour ceux qui les connaissent. Donc Saphira, Fanfée, il y a aussi leur papa, mon papa d'ailleurs, pour ceux qui, ça sera dur à trouver, mais... Et donc du coup il y a Jotis aussi, je sais pas si je l'ai dit. Non, Jotis tu l'as pas dit. Non, et bah du coup on fait que figurant. Moi j'apparais deux fois en deux figurants différents, et Jotis pareil, donc amusez-vous à nous trouver. Voilà, ouais, nous trouver. Si vous pouvez regarder, c'est... Et nous en tout cas, on rigole beaucoup à chaque fois. Ça c'est sûr. Et donc dans celui-là, pour savoir, dans cet épisode-là, on a été que figurant, mais dans le prochain, normalement le prochain qui sortira, et d'ailleurs assez vite, parce que... en fait, tout est tourné depuis longtemps, mais ils n'avaient pas toutes les scènes pour l'épisode qui vient de sortir. Toutes les scènes sont tournées, donc le temps que le montage se fasse. Il y a plus de montage à faire, donc logiquement ça devrait être plus rapide. Et là, on va avoir des rôles un peu. Enfin, du moins, dans le prochain épisode, je vais avoir un rôle secondaire, on va dire. Et Princesse et Jotis seront également, mais en rôle, enfin en figurant, mais ils vont parler, ils vont être plus proches de la caméra. Donc ouais, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ça va être amusant, donc vraiment, on vous conseille d'y aller parce que c'est. C'est en plus des gens qui, leur entreprise est dans notre région, enfin leur association est dans notre région. Et voilà, univers médiéval fantastique. Franchement c'est génial, il y a de l'humour, il y a du sérieux, il y a de tout. Et c'est... Donc en description, on passe qu'un bon moment en regardant ça. Laissez bien des commentaires et tout ça, parce que ça leur fera vraiment plaisir, ils méritent vraiment. Et donc ils ont vraiment aussi beaucoup plus. Du coup, une chaîne et vous pouvez vous abonner. Voilà, ils ont un site internet. Regardez. Donc voilà, allez leur laisser des petits commentaires, c'était pour la petite histoire de la chaîne, comme on les a connus grâce à la Clermont Geek Convention d'ailleurs. Voilà, c'est surtout ça, ouais. Et donc plus tard, et si vous suivez bien, encore plus tard, même Princesse aura un rôle encore plus important, enfin il y a vraiment, sans trop vous spoiler, mettez bottes. Vous comprendrez quand vous rigolerez. Donc voilà, on en reparlera peut-être parce que voilà, la dernière vidéo qu'on avait fait sur le conte de fées, c'était il y a un long moment et on n'est même pas apparu dans l'épisode qui venait de sortir d'ailleurs. Non, parce qu'on on savait pas trop comment. On savait pas tout ceci. Non. Finalement, donc voilà. Donc voilà, allez leur laisser plein de commentaires, ça nous fera plaisir à nous et à eux aussi. Ne vous fiez pas au premier épisode qu'on vous l'a dit, c'était il y a très longtemps, mais genre les 5 derniers épisodes, vous rigolez, il y a des effets spéciaux incroyables, on se demande. Comment ils font ça? Et voilà, à bientôt. À bientôt.